C'est fait. Est-ce que les gens sont arrivés? Tes demandes, tes erreurs? Il y en a qui arrivent encore, comme puis mais c'est pas grave, on peut commencer, puis moi je vais les faire entrer si jamais ils arrivent. Ouais, la façon la plus vite, Louis, c'est d'ouvrir les portes en allant dans la sécurité, là. Et puis, tu peux désactiver la salle d'attente. Et puis, n'oublie pas de le remettre. Il n'y a pas de problème, je les vois arriver. Là. Je, c'est je beau. Peux les... Merci pour le conseil. Et alors, il dit donc, je peux commencer? Oui. Je peux commencer. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de mettre le lien du formulaire Google dans le chat pour que ce soit plus facile d'y accéder, s'il vous plaît? Si oui, oui. Ce serait très gentil. Merci beaucoup. Est-ce que je peux mettre le lien de la présentation dans la boîte de clavardage? Oui, sans problème. Parfait. Voilà, je l'ai fait. Est-ce que l'on commence? Bien sûr. Bonjour à vous tous. Je suis vraiment heureux de vous voir. Je sais que c'est l'été, que vous êtes en période de vacances, mais j'apprécie beaucoup que vous soyez présente à cet atelier. Je sais que dans 3 semaines, les classes vont reprendre, les enfants vont retourner à l'école, mais si la santé est bonne, tout le monde va bien, c'est merveilleux. Peut-être j'aimerais vous demander de vous présenter peut-être et de dire votre nom et aussi peut-être de quelle école ou quel conseil scolaire vous faites partie. Ça me permet, moi, de mettre un visage aussi sur les gens. Donc, peut-être si c'est possible aussi d'ouvrir votre caméra parce que moi,
je suis visuel, puis j'aime ça voir les personnes. Parce que si vous ne voyez pas, moi, c'est comme si je parle dans le vide. D'habitude, je m'adresse toujours. Voilà, ben, j'apprécie. Merci d'ouvrir votre caméra, j'apprécie vraiment. Donc, OK. Donc, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, je comprends. Ben, c'est une des caractéristiques pour les personnes sourdes d'être en contact visuel. Donc, c'est pour ça que c'est une première étape. Je vais briser la glace. Mon nom, c'est Anne-Marie. Je suis éducatrice en enfance en difficulté à l'école L'Étoile de l'Est. Et puis, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Ah, bien. Je suis contente. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir, de mettre un visage. OK. On pourrait suivre d'autres? Moi, c'est Cindy Bergeron. Je suis enseignante à l'École publique Renaissance à Timmins. L'interprète n'a pas compris l'école que tu as. Public Renaissance à Timmins. Ah, oui, je connais bien, ça me fait plaisir. Bienvenue au cours, à l'atelier. Bonjour, moi c'est Tammy Milonas. Je viens de l'école arc-en-ciel à l'élémentaire à Orléans. D'accord, enchantée. Bonjour, moi c'est Cynthia Kofi. Je viens de l'école Georges-Étienne Cartier de Toronto. Ah, excellent. Merci. Bonjour. Et bienvenue. Oui, prochain. Bonjour, je suis Diana Maganda et je suis enseignante de l'école Mère-Élisabeth Bruyère catholique à. Je n'ai pas compris le nom de la ville que je pense que Mme Ogelé. Alors, je vais passer en prochaine. Je n'arrive pas à allumer ma caméra. Je n'ai pas l'option. Je ne trouve pas l'option. Je m'appelle Angèle. Je suis une enseignante à l'élémentaire au Petit Prince à Maple. Bonjour. Ça fait plaisir. Bienvenue au cours. Bonjour. Bonjour. Donc, mon nom est Andriana. Aide-enseignante. Oui, je suis aide-enseignante à l'école Monseigneur de Laval, à Hamilton. Bonjour, et je suis Michaëlle Saint-Cyr. Et maintenant, je suis étudiante à l'Université d'Ottawa au programme de baccalauréat en enseignement. J'ai été éducatrice pendant 6 ans au programme PAGE. Oui. D'autres? Bonjour. Je suis Lydia Morel, enseignante de deuxième année à Horizon Jeunesse, à Vanier, à Ottawa. D'autres ne se sont pas présentés? Oui, bonjour. Je suis Isabelle Perrault à Chapleau. Je suis conseillère pédagogique pour le conseil scolaire du Nouvel-Ontario, mais j'ai enseigné longtemps avec les élèves en difficulté. Enchantée. Et je peux aussi me présenter. Moi, c'est Louis Hull, je suis coordonnateur des instituts et des conférences pour le Centre Franco. Alors, merci à tout le monde d'être là. Merci à notre animateur et son interprète d'être là aussi.
Ça promet, je pense que pendant les deux prochaines heures, on va apprendre, en tout cas, je vais apprendre plein de choses. Et puis, ben voilà, merci. Puis si vous avez des questions concernant les instituts, moi, vous pouvez m'écrire dans la boîte de clavardage. Ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà, merci. OK. Est-ce qu'on a fait le tour? Bonjour, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Moi, je m'appelle Ariane. Ariane. Bonjour, Théra. Bonjour, tout le monde. Et je travaille au ministère de l'Éducation. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Donc, nous avons 2 heures à nous. Donc, on va essayer de vraiment de profiter de ces 2 heures-là pour faire plein d'apprentissages. Donc, mon nom est Théara. J'ai préparé différentes activités. On va diviser en 2 parties, 1 heure. Après, on va prendre une courte pause. Et après, on revenir pour des activités où vous allez faire des apprentissages. Ça vous va? Donc, je ne peux pas tous vous voir, mais je sais que d'habitude, vous entendez des conférences, tandis que là, vous allez devoir utiliser vos yeux pour absorber ce que je dis. Donc, c'est un défi d'apprendre par les yeux via à distance. Donc, je vais m'adapter pour signer aussi plus lentement et permettre à l'interprète, qui est Paul Boursier aujourd'hui, donc qui lui fait la traduction de l'ARSQ au français. Et vous allez remarquer qu'un interprète a toujours un certain décalage de quelques secondes. Pourquoi? Parce que la langue des signes est en 3 dimensions. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, il y a beaucoup d'informations qui se donnent. Par exemple, lorsqu'un auto frappe un arbre, voici le signe. Mais lorsqu'un interprète doit le traduire en français, lui doit utiliser la structure du français beaucoup plus linéaire de dire « une voiture a frappé un arbre », ce qui prend plus de temps. Donc, ça explique un peu le décalage. Peut-être vous parlez aussi un petit peu de moi. Vous me voyez que je fais beaucoup d'expressions. Vous allez voir que l'expression fait partie de la langue des signes. Chez les entendants, vous avez de l'intonation qui varie selon les émotions que vous vivez. Donc, vous utilisez de l'intonation pour ne pas endormir vos clients, tandis que moi, j'utilise l'expression du visage pour donner du rythme à ma présentation. Donc, j'ai connu, vous vous êtes présenté, je suis vraiment content. À mon tour, je vais un peu vous parler de moi. Donc, comme vous voyez, je suis sourd. Ma langue première est la LSQ. J'utilise aussi l'ASL. Donc, j'ai une bonne expérience en Ontario. J'ai travaillé d'abord au Centre Jules Léger. Et j'ai aussi été consultant en sourdité en Ontario et enseignant. Voilà. Maintenant, je travaille au Québec dans une école qui s'appelle Lucien Pagé. J'ai aussi travaillé dans une école élémentaire depuis plusieurs années. Puis aussi, je suis chargé de cours à l'Université de Montréal, à la Faculté de la médecine. Puis, je donne aussi des cours à l'Université d'Ottawa en éducation. Donc, j'ai visité beaucoup d'écoles sur le plan international, d'écoles où ils donnent des services aux élèves sourds. Donc, j'ai développé différentes compétences. Voilà. Est-ce que c'est beau? Ça va? Oui? Donc, on va poursuivre. Donc, l'important, lorsqu'on parle avec des personnes sourdes,
c'est peut-être utiliser l'option de Zoom pour lever la main, puis d'ouvrir votre micro puis poser vos questions. Donc, sentez-vous bien à l'aise. C'est important pour ceux qui comprennent les signes aussi. Donc, je vais essayer de signer lentement. Et vous voyez que le signe, c'est comprendre. Est-ce que vous comprenez? Comprendre. Oui. Ah. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous comprenez le texte que vous voyez? Qui peut me dire ce que c'est? Peut-être lever la main et me dire ce que vous voyez. Oui, est-ce que quelqu'un a levé la main? Cindy, oui? Qu'est-ce que vous avez compris? Je ne peux pas lire, mais je trouve que ça ressemble au Canada. Non? Oui, exactement. Exactement. Pourquoi je vous fais faire ce petit exercice? Dans le fond, c'est pour faire un peu l'analogie, lorsqu'une personne sourde, mettons, essaie de lire sur les lèvres, quand on dit quelqu'un lit très bien sur les lèvres, mais dans le fond, il comprend des choses sur les lèvres et devine le reste. Parce qu'il ne peut pas capter 100% sur les lèvres, donc il capte des éléments et il anticipe selon le contexte. Et les personnes sourdes ont différents talents. Ils n'ont pas tous ils ont des compétences de lecture labiale qui varient d'une personne à l'autre. Aussi, dans le fond, selon les recherches, une personne qui est bonne en lecture labiale lit effectivement entre 16 et 23 % de la communication. Et le restant, il l'anticipe selon le contexte. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent nuire à la lecture labiale. Les moustaches, l'articulation exagérée, ceux qui fument une cigarette, mâchent de la gomme, mettent un livre devant le visage. Le débit aussi joue un rôle important. Aussi, les termes utilisés, si vous prenez un langage plus soutenu, plus élevé, ou si vous dites des mots que la personne ne connaît pas. Aussi, parfois, si vous quittez le contact visuel, donc si vous écrivez au tableau, par exemple, la personne ne peut plus lire sur les lèvres. Donc, pour lire, pour le meilleur contexte pour lire sous les lèvres, c'est vraiment d'être face à face devant une personne à la fois. L'éclairage joue un rôle. Si vous êtes devant à contre-jour, devant une fenêtre, donc c'est important de baisser, de fermer la lumière pour permettre une meilleure lecture sous les lèvres. Aussi, c'est ce qui est important pour des enfants, surtout. L'enfant, s'il est petit, il va avoir de la misère à lire sur les lèvres si vous êtes grand. Donc, essayez de vous mettre à sa hauteur, soit vous asseoir ou vous mettre à genoux pour qu'il soit à sa hauteur. Parce que lorsqu'il vous regarde de haut, il faut qu'il se lève la tête. Donc, d'abord, ça lui donne une douleur au cou et a de la difficulté à lire sur vos lèvres avec une perspective en oblique. Si vous n'avez pas compris, si la personne n'a pas compris, utilisez un tableau, écrire. Donc, pas hésiter à répéter aussi.
Pour les bruits, éviter les bruits, des fois de mettre des balles de tennis ou pour. Parce que parfois, les enfants malentendants peuvent entendre du bruit. Donc, pour éviter le bruit des chaises, d'essayer de mettre quelque chose qui rend les mouvements de des chaises des autres élèves plus silencieux. Aussi, si quelqu'un passe devant vous, bien, ça coupe la communication. Donc, l'important, c'est de maintenir un contact visuel le plus intègre possible. Il y a plusieurs types de surdité, effectivement. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être malentendantes. Ça veut dire, ou quelqu'un qui a perdu l'audition graduellement, soit dans sa jeunesse ou en vieillissant. Des fois, la perte auditive peut se stabiliser, d'autres fois, elle peut s'accentuer. Donc, ça peut arriver aussi chez les jeunes, pas nécessairement chez les personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes qui aussi utilisent comme synonyme sourd et malentendant. On va voir plus tard que c'est pas la même perception par tout le monde. Malentendant, c'est aussi quelqu'un qui a une perte légère. Donc, un appareil auditif, une prothèse, des écouteurs. Et aussi, c'est l'audiogramme qui détermine aussi la gravité de la surdité selon la perte en décibels. Puis il y a des personnes qui peuvent utiliser des prothèses auditives ou des implants cochléaires ou en classe des systèmes FM. Habituellement, ces élèves-là n'utilisent pas beaucoup la langue des signes. Lorsqu'on parle d'une personne sourde, on veut nécessairement dire, habituellement, on signifie des personnes qui ont perdu l'audition à la naissance et qui utilisent la langue des signes comme première langue, mais qui peuvent aussi utiliser la parole et la lecture labiale selon le contexte. On dit une personne sourde qui a une perte de 60 et 90 décibels. Quelqu'un qui n'entend absolument rien, il a une perte supérieure à 120 décibels de perte. Puis aussi, dans les types de surdité, il peut y avoir des personnes sourdes oralistes, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas ils utilisent uniquement la parole pour s'exprimer ou qui, des fois, combinent la parole et la langue des signes. Il y a aussi des personnes qui ont une perte de surdité. Donc, la langue des signes, elle peut aussi être tactile. Donc, la personne sourde aveugle touche la main de celui qui parle. Et aussi, il y a différents codes qu'on peut écrire sur le dos de la personne pour signifier. Mettons, si on monte, on veut signifier que la personne va monter un escalier, on trace un trait du bas vers le haut. Et si on veut exprimer à la personne qu'on est de bonne humeur, qu'on sourit, on lui fait un sourire dans le dos. Il y a de la formation qui se donne pour ces codes-là, pour des personnes sourdes qui perdent la vue graduellement. Il y a aussi des personnes sourdes qui peuvent aussi, en plus de leur surdité, avoir d'autres handicaps, variés. Donc, parfois, il peut y avoir des étudiants sourds ou dans vos classes ou des personnes sourdes qui ont aussi d'autres handicaps que la surdité. Bon, depuis, on parlait autrefois, on disait des personnes sourdes muettes en français. En anglais, on disait souvent « deaf and dumb ». Puis en français, on disait plus sourd-muet. On attribuait un deuxième handicap. Mais à la longue,
les personnes sourdes eux-mêmes préfèrent se faire identifier comme sourds. Sourds avec un S majuscule ont une signification différente. Donc, il y a une perspective médicale à la surdité, puis il y a une perspective sociale, anthropologique à la surdité. Donc, une personne, comme personne, vont se faire identifier une personne sourde avec un S majuscule qui est membre d'une communauté, qui utilise qui a une culture qui lui est propre et qui utilise la langue des signes. Et donc, comme groupe, il s'identifie comme personne sourde avec un S majuscule. Un S minuscule, c'est plus une perception médicale qui veut dire que quelqu'un a perdu l'audition de façon importante et qu'il faut réparer la sourdité. Ça fait que souvent, aussi, il y a des gens qui, pour ne pas blesser une personne sourde, vont avoir l'initiative de dire c'est une personne malentendante en disant que c'est mieux, c'est moins grave. Mais habituellement, les personnes, c'est correct, souvent c'est la personne elle-même qui va vous dire comment elle préfère être identifiée, soit comme personne malentendante ou comme personne sourde. Ça va? Donc, la personne avec un S majuscule fait appel aussi à la culture sourde. Et le concept de culture sourde a débuté dans les années 70-80 aux États-Unis. Et une des Québécoises qui a fait des recherches, qui est Nathalie Lachance, qui est anthropologue, qui a fait des études doctorales, a effectivement démontré que les sourds possédaient sa propre culture. Vous voyez des œuvres. La première photo, si on observe la première photo, qu'est-ce que vous remarquez? Donnez-moi des exemples de ce que vous remarquez de cette première photo-là. Personne remarque quelque chose? Moi, je remarque qu'il n'y a pas d'oreilles. Exactement. Ils n'ont pas d'oreilles. Donc, c'est des personnes qui vivent sans le son. Donc, c'est une façon d'illustrer culturellement, artistiquement, la surdité. Donc, c'est un symbole. Souvent, des artistes sourds vont prioriser les mains, vont prioriser la vue, moins l'audition. Et vous voyez des lumières qui traversent. Ça veut dire, dans le fond, c'est la transmission de la culture sourde qui se fait de génération en génération. C'est une culture qui se transmet. On pourrait faire l'association avec les cultures autochtones, où ce que la transmission se fait de façon orale de génération en génération. Chez les sourds, la transmission se fait aussi de génération en génération. Donc, le nom de l'artiste, c'est une artiste sourde, qui est Pamela Wichard. Donc, elle est de famille, elle est sourde, de famille sourde. Elle est née à Terre-Neuve, puis a toujours eu la volonté d'illustrer en art, par ses peintures, la sourdité comme communauté. Elle est connue partout au Canada. Donc pour montrer la valeur des mains, la valeur des yeux, ses autres œuvres, la troisième aussi, illustre la communauté. Les personnes sourdes, une des valeurs importantes, c'est d'être en communauté.
lorsqu'on est en communauté, il n'y a pas d'handicap. On utilise le même langage, la même langue. On a les mêmes valeurs. Donc l'aspect communauté est illustré dans les deuxième et troisième illustrations. Donc, les règles aussi, lorsqu'on communique avec une personne sourde, l'important, effectivement, c'est le contact visuel, de maintenir le contact visuel. Pour certaines cultures, chez les entendants, de fixer le regard culturel, le regard visuel peut être inapproprié, peut être considéré comme impoli ou intrusif. Chez les sourds, c'est l'inverse. L'importance du regard visuel. Du contact visuel. Pour un sourd qui parle aussi, si une personne sourde vous parle puis vous quittez son regard pour regarder autre chose, c'est un signe qu'elle n'est pas intéressante. Vous lui coupez la conversation si vous regardez et vous montrez un désintérêt. Donc, c'est important de maintenir le contact visuel et aussi d'être expressif en ce sens que vous démontrez visuellement que vous comprenez. Un autre aspect aussi, par exemple, frapper à la porte, souvent il y a des techniques qui supplient à l'audition, donc des sonnettes qui ont un lumineux. Donc, souvent, s'ils ne sont pas sûrs qu'il y a quelqu'un à la porte, ils vont frapper, ils vont regarder à la fenêtre. Ou même les gens qui visitent, qui savent que c'est une personne sourde, s'il n'y a pas une sonnette, ils vont frapper à la porte ou ils vont aussi téléphoner. Puis les sourds ont souvent un avertisseur lumineux. Qui fait que, par exemple, si la personne sourde regarde la télévision, c'est une espèce de gyrophare qui permet que même si la personne ne regarde pas directement la lumière, bien, l'éclat de la lumière ou le reflet de la lumière si parfois la personne envoie un texto, ne répond pas et elle est à la porte, va essayer avec la lumière de son téléphone de signaler sa présence en bougeant son téléphone devant une fenêtre ou à la toilette. Si la personne prend sa douche, parfois aussi en frappant le plancher, si c'est dans la maison par exemple, en frappant sur le plancher, ça émet une vibration. Donc, bien, si la personne est dans la douche, des fois, donc, on peut aussi, si on peut, mettons, à l'hôtel ou on veut aviser quelqu'un qui est dans la salle de bain, on peut prendre un papier, le faire glisser sous la porte et le bouger. Donc, la personne sourde va être attirée par un papier qui bouge sous la porte. Par exemple, au restaurant, un autre aspect, les sourds vont chercher une table qui est habituellement ronde, parce qu'ils sont plusieurs, pour qu'ils puissent tous se voir facilement. Tandis qu'une table rectangulaire, c'est difficile de voir si d'autres personnes parlent. Donc, ils sont obligés de vérifier qui parle ou se visualiser. Tandis qu'une table ronde, ça évite ça. Et aussi, de plus, ils vont chercher un endroit, une table ronde, puis si c'est le soir, on voit que dans les restaurants, c'est plus des ambiances romantiques. Donc, pour des sourds, ils vont aimer avoir une lumière plus forte pour mieux voir. C'est un aspect de la culture des sourds. Lorsqu'on est à la table, qu'on veut parler des éclairages ombragés ou sombres, les sourds ne sont pas friands de ça. Ils aiment avoir un éclairage plus intense. Aussi, s'il y a des pots de fleurs au restaurant ou des chandelles qui nuisent à la communication,
ou une bouteille de vin qui est dans le milieu de la place. Suite en arrivant, les personnes sourdes vont enlever toutes ces décorations-là pour créer un espace vraiment clair pour faciliter la communication en langue des signes entre les deux personnes. Il y a plusieurs autres règles aussi. Lorsque vous voulez aviser une personne, vous voulez lui parler, vous voulez l'aviser, c'est important de lui toucher l'épaule. S'il est loin, si la personne est loin, puis vous pouvez aviser une personne à côté de toucher à l'autre personne qui est d'à côté, d'essayer de décrire la personne. Veux-tu lui dire de me regarder? Pas obligé de crier, c'est d'essayer qu'elle ait un contact, de lui toucher soit l'épaule ou le bras. Mais des fois aussi, s'il y a deux personnes qui parlent, les gens hésitent de traverser. Bien, il s'agit d'y aller rapidement. Mais si les personnes sont très près l'une de l'autre, c'est inapproprié de traverser. Il s'agit, donc, c'est plus préférable de contourner. Mais s'ils sont dans un espace assez éloigné l'une de l'autre, si vous vous excusez, vous pouvez traverser, même s'ils sont en train de converser. Il y en a des personnes, des fois, entendantes, qui se mettent presque à quatre pattes pour ne pas nuire à la communication. Mais dans le fond, c'est pire parce que ça attire beaucoup plus la vue. Fait que les personnes sourdes se demandent, es-tu en train de tomber? Donc, dans le fond, c'est mieux de passer rapidement plutôt que de contourner. Idéalement, de contourner pour ne pas couper la conversation entre deux personnes qui utilisent la langue des signes. Donc, c'est tous des aspects culturels. Par exemple, se souhaiter bon appétit, on va frapper sur la table. Pourquoi frapper sur la table? Ça crée une vibration et tout le monde voit que quelqu'un souhaite bon appétit. Quand on va aussi cliquer des verres, au lieu de toucher au verre, on va se toucher la main. Pour avoir un contact avec la main de l'autre plutôt que d'avoir un contact avec le verre. Donc, c'est des éléments culturels qui appartiennent, qui sont utilisés à la communauté des sourds. Lorsque vous voyez des personnes faire ça, vous comprenez, c'est un élément qui fait partie de la culture des sourds. Aussi, au lieu d'applaudir, par exemple, comme ça, les sourds vont faire ça. Parce que les entendants vont claquer, mais les sourds n'entendent pas ça. Donc, pour applaudir devant un spectacle de sourds, par exemple, ou souhaiter quelque chose, c'est mieux effectivement de branler les mains là, plutôt que de applaudir. Avez-vous des questions liées à des aspects culturels de la sourdité des sourds? Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc, je vais poursuivre. Donc, la communauté des sourds a une culture, elle a aussi une langue qu'elle défend, qui est précieuse, puis des valeurs. Parmi les valeurs des personnes sourdes, la langue, l'histoire, l'éducation ont une place importante dans la culture des sourds. L'histoire de la culture, l'histoire des sourds, l'histoire de l'éducation des sourds. Les arts, comme on a vu tantôt, les arts qui expriment la sourdité. Ça peut être dans la danse, ça peut être dans la poésie, ça peut être dans le chant, dans l'humour, dans le théâtre. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui illustrent l'art sourd. Les croyances aussi. De génération en génération, des attitudes, d'avoir une belle attitude, d'être positif, de donner une belle énergie. Mettons, si des expressions comme ça d'intolérance ou de fatigue, tu sais, ça indique pas. Donc, de faire attention aux attitudes. Il y a aussi des normes, des comportements appropriés et inappropriés. Il y a des traditions littéraires. C'est ça. Donc, les valeurs aussi qui sont unanimes partout chez les personnes sourdes, c'est les mains, les yeux.
Est-ce que vous connaissez le centre, le consortium Saint-Jean-Léger? Ils ont eu l'idée, les élèves, en 2010, d'adapter le drapeau franco-ontarien en communauté sourde franco-ontarienne. Donc, qui illustre, qui met en valeur effectivement les mains. Donc, ils utilisent le drapeau franco-ontarien parce qu'ils sont fiers de cet héritage culturel-là. Et aussi de mettre des mains, de l'adapter avec des différentes formes de mains. C'est un étudiant sourd qui a conçu ce drapeau-là. Encore aujourd'hui, si vous allez devant le centre Jules Léger, vous voyez le drapeau franco-ontarien avec les mains. Donc, c'est le drapeau sourd franco-ontarien, parce que les mains, c'est une valeur aussi importante pour la communauté des sourds. C'est ce que ça démontre. Quand j'étais enseignant, j'aidais les enseignants. J'enseignais les arts. Donc, on voit aussi des tableaux que mes étudiants ont faits qui illustrent la culture sourde. L'arbre, vous voyez. Aussi le travail d'équipe qu'on voit. Donc, les tableaux noirs avec toutes les mains, ça illustre effectivement, c'est l'idée qu'une classe a fait pour illustrer la collaboration entre les personnes sourdes. Le troisième, on voit en bas, on voit des roches, c'est tout avec des formes de la main. Les plantes, c'est avec des formes de la main. L'arbre aussi, c'est avec les racines, on voit que c'est une forme de la main. Le quatrième tableau, ce qu'on voit ici, ça veut dire « je vous aime ». Donc, en anglais, on fait « I love you ». En français, « I love you », c'est ça. Donc, « A-I-L-V, I love you ». Tandis qu'en français, on fait « je vous aime ». Et le dernier tableau, complètement à droite, c'est une sculpture, puis c'est des mains qui sont sculptées. Donc, ce tableau-là est dans la résidence du Centre Jules Léger. En Ontario, effectivement, il y a une association, Ontario Association of the Deaf, qui a été ouverte depuis 1886, qui est en fonction, a été fondée en 1886. Et tranquillement, les francophones ont voulu aussi créer un organisme. C'est l'Association ontarienne des sourds francophones. Et à chaque année, ils ont des activités, puis ils ont des spectacles. Et leur siège social est à Ottawa. Et c'est souvent au mois de mai. Il y a aussi le réseau, qui est un organisme important. C'est des parents. Des parents qui ont des enfants sourds sont souvent isolés. Donc, il y a des parents qui ont voulu regrouper des parents. Et ils sont mis ensemble et ont développé un organisme et développent beaucoup de matériel pour des jeunes enfants sourds en RSQ. Donc, c'est un organisme qui a aussi des fêtes annuelles, par exemple, à Noël, la cabane à sucre. Ça rassemble des parents. Donc, c'est le réseau qui organise ces rencontres-là. Il y a aussi l'Association canadienne des sourds, donc qui, eux, leur mission, c'est de défendre les droits, dont l'accessibilité à la langue. Et ils ont un chapitre dans chacune des provinces. Et ils sont liés à l'Association canadienne. Donc, ils défendent effectivement les différents droits des personnes sourdes et aussi l'accès à la langue.
Est-ce que vous croyez que la langue est internationale? J'ai une question pour vous. Est-ce que la langue des signes est internationale? Qu'est-ce que vous en pensez? Savez-vous combien il y a de langues de signes différentes à peu près dans le monde? Pouvez-vous me donner une idée approximative? Qu'en pensez-vous? Dix, vous dites? Dix, vingt? Combien de langues dans le monde de langues signées? Oui? Oui? Restez pas silencieux, dites-moi-le. 30, combien? 40? 100? Les recherches ont démontré qu'il y a 100 à date, entre 130 et 140 langues de signes répertoriées officiellement. Donc, c'est des linguistes, effectivement, qui font des recherches de pays en pays. Et il y a plusieurs pays, effectivement, qui reconnaissent la langue des signes du pays comme une langue de signes officielle. Il y a aussi une Fédération mondiale des sourds qui il y a aussi une langue internationale qui est composée par différents signes européens. Pour les activités, lorsqu'il y a des activités internationales, comme les Olympiques des sourds, comme la Fédération mondiale des sourds, souvent la langue qu'ils vont utiliser pour économiser des frais d'interprète, c'est la langue des signes internationale, qui est une langue composée, qui n'est pas une langue parlée. Bientôt. Tantôt, j'ai parlé d'identité, de s'identifier, que les sourds s'identifient à une culture, à une langue, et il y a toujours des combats. Parce que si on remonte à longtemps, à 1000 ans, il y a eu un colloque d'une association de professeurs et d'éducateurs de sourds qui, en 1880, ont interdit la langue des signes. Donc, à chaque année, on fait une journée mondiale des sourds qui effectivement, lutte contre cette décision-là. Donc, le 20 septembre, c'est la journée mondiale des sourds. Il y a une semaine qui est consacrée, mais le lundi, c'est une journée, la Journée mondiale des sourds. Au Canada, les langues des signes utilisées, c'est l'American Sign Language, la langue des signes du Québec, les langues des signes autochtones. Il y a une langue des signes autochtones. Puis, il y avait à une époque la langue des signes des provinces maritimes, qui venait plus de l'Angleterre. Donc, qui est encore utilisé par certaines personnes âgées qui habitent le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Il y avait une langue qui a tendance à disparaître. Donc, d'où vient la RSQ, origine de la RSQ? C'est un mélange d'ASL, de langue des signes française. L'histoire vous démontre effectivement que ces langues-là se sont côtoyées et ont influencé la langue des signes du Québec, québécoise. Donc, des recherches de l'Université McGill, Madame Mayberry de l'Université McGill, en 1978, a rencontré Raymond Dewar, qui est une personne sourde qui s'est bien illustrée, qui était très politisée et qui a eu l'idée de nommer la langue des signes québécoise. Les sourds ont toujours utilisé une langue des signes. Ça a été beaucoup influencé par le milieu religieux. Une fois, j'ai dessiné un éléphant dans un vaisseau spatial. Personne n'a compris. Désolé, là, Siri a démarré. Excusez-moi. Donc, il y avait la langue des signes utilisée à l'Institution des sourdes, qui est influencée beaucoup par l'ASL. L'Institution des sourds, c'est une communauté de frères de religieux de France. Donc, cette langue-là s'est mêlée à la langue des signes, qui est devenue la langue des signes québécoise.
Donc, c'est une langue, ce n'est pas un langage, c'est une langue qui a sa propre grammaire, sa propre structure, tandis qu'un langage, c'est beaucoup plus large, mais c'est vraiment une langue. Langue des signes québécoise. Donc, ce livre-là compte beaucoup l'histoire des religieux. Et la langue, l'origine des langues de signes, ça vient des anciens monastères qui étaient, dont un de leurs mandats était de garder silence, donc communiquer par signes. Donc, il y a beaucoup de personnes sourdes qui ont été en contact avec ces monastères-là. Et la langue des signes s'est développée. Et il y a un prêtre aussi en France qui s'appelle l'abbé de l'Épée qui a joué un rôle important d'utilisation de la langue des signes dans l'éducation. Donc, la RSQ origine de plusieurs langues, effectivement, qui est expliquée par l'histoire. Il y a eu un premier dictionnaire en 1981 qui a été élaboré par Julie-Hélène Roy, Paul qui est notre interprète, et Raymond Dewar. Ces trois personnes-là ont fait un premier dictionnaire signé. À l'époque, la technologie ne permettait pas... Donc, c'était des dessins. Il n'y avait pas effectivement l'apport de la technologie. Et par la suite, il y a eu aussi un deuxième dictionnaire qui était... qui était plus des photos cette fois-là. Donc, ça avait un résultat assez mitigé parce qu'il n'y a pas de mouvement dans des photos. Hein. Donc, ça a été... Donc, c'est des sourds qui venaient donner de différentes régions qui ont collaboré à l'élaboration de ce dictionnaire-là. Et en Ontario, il y a beaucoup de francophones de l'Ontario qui allaient à l'époque, quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas d'école, ils allaient à l'Institution des sourds et qui revenaient en Ontario et avaient acquis la langue des signes québécoise. Donc, il y a quelques différences avec, je dirais qu'il y a des accents de la langue qui sont différents. Donc, ils ont développé un autre dictionnaire. C'est un peu comme les dictionnaires Larousse, les dictionnaires Robert. C'est exactement les mêmes signes, mais présentés sur une forme différente. Et en 2005, donc ça a été le premier dictionnaire franco-ontarien qui s'est beaucoup vendu, qui s'est aussi vendu au Québec. Qui a à peu près 3000 images, donc un lexique quand même assez élaboré. Donc, qui sert au cours de LSQ de niveau 1 à 5. Maintenant, avant c'était avec des dictionnaires, donc des livres papier. La technologie maintenant permet des applications où est-ce qu'on peut voir les mouvements. Donc, il y a deux applications qui sont connues, qui ont la même valeur. Puis, comme les dictionnaires, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est des façons différentes. Il y en a un qui s'appelle LSQ Dico, qui a été élaboré par Réseau, et un autre qui a été élaboré par des sourds au Québec. Donc, des applications numériques. Vous savez... chez les personnes, si vous rencontrez des personnes sourdes ou malentendantes, ça se peut qu'il y ait des façons de signer différentes. Ça se peut parce que, dans le fond, à l'école, ils ont pu leur enseigner une autre approche. Par exemple, le français signé, qui était d'utiliser les signes sur la structure du français. Tandis qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins utilisé parce qu'on montrait que l'efficacité n'était pas aussi
aussi grande que celle qui était attendue. Et aussi le pidgin, qui est un peu un mélange du français et du LSQ. Maintenant, on est plus enclin à une approche bilingue et de respecter la LSQ telle qu'elle est, dans son intégralité. Donc, autrefois, on utilisait les termes communication totale, qui maintenant, c'est vraiment la LSQ qui est utilisée comme langue d'enseignement. Pas essayer de mélanger le français et la langue des signes pour faire une langue. C'est un peu lorsqu'on utilise quelqu'un parle en français, dit un mot en français, un mot en anglais, un mot en français. C'est un peu la même chose. Donc, on pense que c'est plus clair, mais pour les personnes sourdes, c'est loin d'être plus clair. Donc, d'utiliser le français dans son intégralité et la langue des signes dans son intégralité. En Ontario, la langue des signes, la LSQ, a été reconnue comme langue d'enseignement et pas encore au Québec. Donc, la langue a été vraiment reconnue en 2007. La loi sur l'éducation. Donc, on voit les technologies pour montrer un peu les rôles en audiologie. Donc, pour évaluer effectivement l'audition, c'est un audiologiste qui a cette expertise-là. Par contre, à droite, ce qu'on voit, c'est lorsqu'on enseigne l'articulation, il y a différentes approches pour enseigner l'articulation pratiquée. Et les orthophonistes aussi, certains, pour aider à l'articulation, vont utiliser la langue des signes aussi. Donc, il y a différentes écoles de pensée. Donc, on pense plus à une approche bilingue, c'est-à-dire en utilisant le français et la LSQ de façon alternative qui semble avoir de meilleurs résultats. Alex, tu avais une question? Tu as levé la main, Alex? Est-ce que tu veux ouvrir ton micro, peut-être? Parce que j'ai vu ta main levée. Est-ce que je me trompe? Tu avais une question, un commentaire? Peut-être si tu n'as pas de question, de faire en sorte de baisser la main, ou ce que c'est écrit, lever la main. Il a écrit sa question dans le clan de la page, ou elle. Je peux la lire si vous voulez. OK, oui, moi, je ne le vois pas. Pouvez la lire, oui, s'il vous plaît. Donc, pour un apprenant de la LSQ, est-ce mieux de signer ou d'utiliser des services d'interprète ou un mélange des deux pour des contextes d'enseignement? Toujours mieux que la personne s'exprime directement à la personne sourde. Un interprète, c'est un intermédiaire qui aussi traduit un concept d'une langue à l'autre et ça sollicite beaucoup plus de fatigue pour l'élève. Parce que aussi, dans une interprétation, il y a toujours une partie de l'information qui est altérée dans n'importe quelle langue. Donc, idéalement, c'est mieux que la personne s'adresse directement à la langue des signes dans un contexte éducatif.
mais surtout si les élèves ont des questions. Ce n'est pas obligé que ce soit nécessairement un enseignant sourd. Un enseignant entendant peut avoir une maîtrise de la langue des signes qui fait en sorte que l'élève va mieux comprendre quand c'est directement donné à l'étudiant que via un interprète. Non, c'est toujours mieux. Mais lorsque les élèves sont intégrés, c'est sûr qu'ils font plus appel à des interprètes. Mais l'important, c'est important quand vous embauchez un interprète de vérifier effectivement sa maîtrise de la langue, sa maîtrise en interprétation, aussi son attitude, le lien qu'il est capable. Est-ce que l'étudiant est en mesure d'établir un lien de confiance avec l'étudiant? C'est important aussi, ça. Parce que l'attitude va jouer un rôle important. L'attitude de la personne va créer, l'attitude de l'interprète va aider ce lien de confiance-là ou pas. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Est-ce que ça va? Oui? Est-ce que je n'ai pas de réponse? Est-ce que j'ai répondu? OK. Donc, je vais poursuivre. Merci. Bon, des aides suppléantes à l'audition, il y a plusieurs. Il y a l'implant. Vous pensez que la personne vient comme un entendant? C'est impossible. Non, souvent les parents rêvent en mettant un implant à leur enfant que l'enfant devient entendant. Donc, lorsque la personne va dans l'eau, par exemple, il y a des technologies qui font en sorte qu'elle ne peut pas avoir de contact avec l'eau dans des sports violents non plus. Donc, la personne ne peut pas garder son implant tout le temps. Aussi, il y a les piles. S'il n'y a pas de piles, donc la surdité revient. Donc, ça n'en fait pas une personne entendante, mais ça aide à l'audition. Il y a des bonnes prothèses aussi. Il y a différentes variétés, différents modèles et formes de prothèses. Il y en a même, ça dépend de la surdité puis de la sorte de surdité, mais elle est dans l'oreille, donc elle n'est presque pas visible. Il y a différentes formes de prothèses. Puis il y en a qui sont rechargeables aussi. On voit différentes piles. Puis aussi, le volume s'ajuste à l'eau. À l'audition de la personne. Et aussi, il y a toutes sortes d'autres appareils pour le feu, les réveils matins. Ça peut être un système lumineux ou vibratoire de vibration. Autrefois, les téléphones, on voit que c'était des appareils comme vous voyez à l'écran. Maintenant, c'est de moins en moins utilisé. C'est remplacé par un service de relais vidéo. C'est offert à la grandeur du Canada et ça permet à la personne de s'exprimer en langue des signes et c'est un interprète qui fait la communication. Donc, et c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et c'est le SRV Canada. L'audisme, c'est un concept aussi qui a été développé aux États-Unis. C'est un nouveau terme suite à des recherches. Donc, c'est Thomas Humphreys qui a utilisé la première fois le terme autisme dans les années 75. Autisme, ça veut dire quoi? C'est une attitude qu'on pense que les sourds ne sont pas capables. C'est des préjugés, des discriminations. Pour vous donner des exemples, autrefois, ici, on disait qu'un sourd ne pouvait pas conduire la voiture. Non? Il y avait une loi qui interdisait aux sourds de conduire la voiture parce qu'ils n'entendaient pas, il y aurait plus d'accidents. Les statistiques, effectivement, montrent qu'en Ontario,
des accidents qui sont causés par des personnes sourdes sont beaucoup moins importantes que ceux causés par les personnes entendantes en tenant compte du nombre. Parce que les sourds sont concentrés, étant donné qu'ils n'entendent pas, sont concentrés sur leur conduite. Bon, autrefois, c'est un préjugé qui avait été c'était transmis, effectivement, qu'un sourd ne pouvait pas conduire. Aussi, les contextes, quand un sourd vient au travail, on dit, il a les mêmes compétences, les mêmes diplômes, mais on va les deux candidats, parce que la personne sourde ne parle pas, n'utilise pas la parole, oh, on va prendre une personne qui nous ressemble, une personne qui entend avec les mêmes qualifications. C'est ce qu'on appelle de l'audisme. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, l'audisme, ça peut effectivement se retrouver dans beaucoup de contextes. Mais c'est les notions de base. Ça veut dire que, aussi, c'est une espèce de décision qui concerne les sourds, qui est prise par des personnes qui ne sont pas sourdes. Donc, l'important, c'est de laisser l'autonomie aux personnes sourdes. Donc, pour moi, j'aurais terminé comme ma partie théorique. Je ne sais pas si vous avez des questions de votre part. Peut-être on pourrait prendre cinq minutes de pause et on pourrait revenir avec on pourrait regarder ensemble l'aspect pratique et apprendre certains signes. Ça vous convient? Donc, on dit qu'on revient à 2h11 précisément. 2h11 précisément. Ça va? Donc, à tout de suite.
Donc, on peut peut-être débuter la deuxième partie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, donc vous entendez bien l'interprète, oui. Peut-être ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Parce que je veux aussi voir comment... Parce que je dois vous observer. Si on apprend quelques signes, je vais devoir vous observer un petit peu. Donc, je vous demandais si c'était possible d'ouvrir vos caméras. D'accord. Donc, je vous ai envoyé des liens YouTube sur l'alphabet. Peut-être, si vous ne l'avez pas vu, c'est correct, mais je vais peut-être les faire parvenir à Louis aussi pour qu'il vous les envoie à nouveau. Puis, si vous ne les avez pas reçus, n'hésitez surtout pas à me contacter que je vous les envoie à nouveau. Ça vous va? Donc, on pourrait... Dans le fond, recommencer par l'épellation. Dans le fond, ce qui est important dans l'épellation, c'est d'être relax. Donc, on peut épeler de la main droite ou de la main gauche, c'est d'avoir la main dominante, donc la main avec laquelle vous écrivez, avec laquelle vous écrivez. Donc, elle peut être la droite ou la gauche, mais c'est la main qui vous convient. Donc, je vais... Pouvez-vous imiter ce que je fais? On est prêt, oui? Donc, ça, c'est le D. Tantôt, j'ai vu que quelqu'un faisait le F. OK. E. F, justement. Faites l'inverse. G. H. I. J. K. Donc, c'est important d'avoir... cette position de la main, là, avec le doigt qui touche au majeur. L. On va recommencer ce qu'on a appris. A. B. C. E. F. Ah, c'est comme excellent. Ah, c'est merveilleux. C'est excellent. F, cette même configuration. G. H. I, le petit doigt. J. Pas trop prononcé. J. Arrêtez un peu. J. K. Donc, le pouce, vous voyez ce qui colle là. K. C'est beau. L. L. Regardez, on peut voir le tracé du L. Bravo, bravo à vous tous. Vous apprenez vite, vous êtes des doués. Donc, M, avec les trois pattes, M. N. Donc, c'est pas le c'est de ne pas avoir la main trop haute non plus. Là. O.
On voit que ça ressemble à la lettre T. Tantôt, on a vu le K. Bien, c'est la même configuration, tandis que P, c'est vers le bas où que l'index devient à la verticale. P. Q. Pareil comme le G de tantôt, mais on voit que la position est différente. R. Espérer. Oh, j'espère. Bon, c'est la même configuration. S. T. U. V. W. X. Donc, un mouvement. X. On recommence, c'est-à-dire depuis la deuxième partie, là, M, N, O, P, Q, R, S, T, D, U, V. W, X, X, donc un mouvement, X. Donc, c'est vraiment cette configuration-là que vous voyez. Là. X, Y, comme téléphone, voyez, téléphone, Y, même configuration, Y. Et Z, c'est un tracé, Z, on trace le Z dans l'espace. Comprenez-vous? Est-ce que quelqu'un a fait la main? Une question. Ma question, c'est le X en ASL, est-ce que c'est le même mouvement ou est-ce que c'est ça? La même chose. Oui, c'est la même chose. Toutes les pellations, c'est la même. Elles sont identiques. En France, cependant, il y a une différence en LSF. En anglais aussi, en Angleterre, l'alphabet est sous les deux mains. Donc, c'est des tracés complètement différents en Angleterre. OK, on peut reprendre. Oui, tu avais une autre question ou c'est correct? Correct, non, c'est correct. Donc, Y, comme se souvenir d'Y par téléphone, Z. Je vais vous laisser pratiquer. Je vais vous mettre en équipe de quatre, juste comme ça. Là. Peut-être que vous pouvez essayer d'implier votre prénom à l'autre collègue. Comme moi. T-A-R-A. Mon nom de famille. Il est petit. Y-I-M. Donc, vous pouvez votre. Quel est ton nom? Vous pouvez demander ça. Quel est ton nom? Ah, mon nom. Ah. T-A-R-A. Et toi, ton nom, c'est quoi? Mon nom de famille? Ah, mon nom de famille. Ah, OK. Y-I-M. Donc, on va essayer de pratiquer ça ensemble. Donc, je vais vous diviser. J'ai une petite question. Nathalie, ça, tu as une question, oui? Non, Lydia. Oh, est-ce que Lydia? Oui?
Est-ce qu'on peut avoir accès à l'alphabet comme là, c'est présenté en mode présentation? Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir accès à ça en petite salle pour pouvoir pratiquer nos noms? Dans le PowerPoint que je vous ai donné, okay. Est-ce que vous avez accès au PowerPoint? J'ai changé, j'étais sur mon téléphone, maintenant je suis à l'ordinateur. Est-ce que c'est possible de le repartager? Oui, vous pouvez aller dans le chat et vous allez le retrouver. Je ne sais pas si la discussion est... Non, j'ai... parce que je me suis déconnectée, c'est... Oui. Apparu. Oui, je vais vous l'envoyer à nouveau dans le chat. Je vais mettre le lien dans le chat à nouveau. Je l'ai fait, si vous voulez, c'est dans le chat. Ah, parfait. Merci. Alors, travail à vous mettre en équipe. Là. Donc, je vous ai mis en équipe approximatif 5 à 6. Donc, vous allez être appelé à aller dans vos... Est-ce que je peux juste demander combien de temps dans les petits groupes? Mettons 8 à 10 minutes, là, quelque chose comme ça. Vous allez revenir. Excuse-moi, c'est Luc, le technicien. Oui, j'avais un participant qui... bonjour. J'avais un participant qui avait de la misère à ouvrir son micro. Je ne sais pas si c'était sur le côté de Zoom ou qu'on avait peut-être... Non? Non, je pense que... C'est Alex. Je pense qu'il faut qu'il... Oui, il a réussi parce que quand j'enlève le partage d'écran, je pense qu'ils peuvent tous débrancher leur micro. Je pense à les blocs lorsque je partage l'écran. Mais là, tantôt, il m'a parlé, donc je voyais que son micro était ouvert. Ah, OK. Maintenant, son micro fonctionne. Je pense des fois, quand je partage l'écran, ça ferme... Ça se peut. Automatiquement le micro des autres. Okay. Donc, il faut que moi, je les ouvre, tandis que quand que, je ne partage plus l'écran, ils ont le contrôle sur leur micro. Ah, ça, je n'ai jamais remarqué ça, mais c'est intéressant. Je vais prendre ça en note pour les prochaines conférences pour voir. Oui, c'est ouais. Ça. OK, je ne sais pas s'il y avait... Et aussi, je vois beaucoup les gens petits, hein? C'était des petites mosaïques. Ah, c'est oui. Que j'essaye de les épingler, mais quand je les épingle, bien, ça me prive de voir les autres. Ah, oui, c'est vrai. Tandis que moi, il faut vraiment que j'aie une vue directe sur tout le monde. Mais, donc, ce n'est pas toujours aussi facile. Tu as su deux écrans? Oui. Oui, ah, OK. J'en ai un que j'ai mon matériel, puis j'en ai un autre que c'est mon Zoom. Ton Zoom, OK. Je partage l'écran.
de la moitié, parce que si moi je mets... donc, il faut que je partage, il faut que j'aille mon matériel sur un autre écran, puis je peux faire les deux opérations dans la même, dans le même écran. Troisième écran serait mieux, hein? Pas toujours possible. Mais moi eux, ils peuvent me voir parce qu'ils peuvent m'épingler puis me voir bien, tandis que moi, j'épingle l'interprète et ça me prive de voir les autres au complet. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés, Luc? Oui, certainement, oui. Au centre vidéo. Oui. On avait fait ça avec... Il me semble que j'ai déjà vu. Il me semble, quand j'ai vu ton visage, j'ai dit, il me semble que je le connais. Oui, au centre, avec le système Polycom à North Bay, là. On t'a déjà fait des instituts avec nous. Oui, dans le passé, c'est... Oui, je me souviens. Puis Paul, je pense que Paul t'a ton interprète aussi, oui. Une couple d'années de ça. Content de te revoir. Oui, moi aussi. Merci. J'ai l'impression que je ne pourrais pas tout voir. Il faudrait que je saute des parties parce que je prépare toujours plus de matériel que le temps, que ce qui est que je peux faire dans le temps. Mais là, il reste, c'est Louis qui parle, il reste 32 minutes. Oui, j'en tiens compte. Merci.
Pas facile de suivre une conférence avec un interprète. Je vous ai observé. Vous êtes pas mal bon. Vous avez fait une bonne pratique. Bravo. Je vais sauter. Oui, Paul, avez-vous un nom signé aussi? Oui. Hein? Paul. C'est comme ça. Moi, j'ai une question. Ma question. Moi, c'est Théara. Ma question, c'est un trait d'union. Donc, mon nom, Anne-Marie, j'ai un trait d'union au milieu. Vous faites un petit tracé comme ça. Parfait, merci. Comme Jean, trait d'union, François. Ou et accent aigu si on veut, mais c'est vraiment pas nécessaire. Quand il y a deux N, deux lettres qui se collent, on répète le mouvement. Comme lorsqu'on écrit. Donc, puis on essaie de maintenir la main, pas trop bouger de haut en bas, mais essayer d'être le plus stable possible. Alors, moi aussi, j'ai une question. Je m'excuse, je ne trouve pas le bouton pour lever la main dans le... Je disais tantôt dans mon petit groupe, je suis experte en Google Meet, mais Zoom, non. ma question dans notre petit groupe, c'était, corrigez-moi, c'est Adriana et Ariane avec qui j'étais. Et Ariane nous disait qu'elle a un nom de signe qui lui a été attribué par une personne sourde quand elle était au secondaire. Et j'avais juste une question par rapport à la façon que ce nom-là est attribué, parce que si j'avais bien compris pour elle, c'était la première lettre de son prénom avec un geste qui... oui, si elle peut vous montrer, je vois qu'elle a sa caméra allumée. Donc, elle nous montrait son signe avec... Je peux vous donner une petite explication, effectivement. Oui, s'il te plaît. Dans le fond, concernant les non-signes, habituellement, c'est la communauté des sourds, à force de la fréquenter, qui vous donne un non-signe. Et souvent, c'est ça, c'est des personnes sourdes qui donnent un non-signe. Mais des fois, le non-signe change avec le temps. Des fois, il peut changer. Parce que la personne a changé de style puis aussi, c'est en lien avec ses activités. Si elle aime, par exemple, le sport, si elle aime un trait de caractère, par exemple. Si elle se tourne toujours les cheveux, mais on va essayer de trouver un signe qui correspond à son style. Donc, comme c'est Nathalie, mettons, on va faire un N qui est toujours en train de se jouer dans les cheveux. Si quelqu'un qui sourit tout le temps, on va utiliser la première lettre de son nom et on va la faire sourire. Donc, c'est une caractéristique physique, comme Samuel de Champlain. On le voit toujours comme une petite barbiche. C'est qu'il a été baptisé par la communauté des sourds Champlain. Quand on parle de Champlain en histoire, mettons le président des États-Unis, Trump, ben, il avait ses cheveux, c'était quelque chose de particulier. Parce que souvent, ça revolait au vent. Fait que les sourds l'ont baptisé Trump. Voilà. Donc, c'est vraiment lié à une caractéristique. Puis ça peut être aussi, s'il est d'une famille sourde, par exemple, la famille Rochelot, la fille qui est interprète, là,
Elle a hérité de son père, Rochelot, parce que son père avait une jambe plus courte que l'autre, puis il boitait. Fait que c'est le nom qui a été donné, puis quand la communauté a donné le même nom à sa fille, donc c'est un nom héréditaire, si vous voulez, qui a été donné par... Donc, au Canada, étant donné que la communauté des sourds se connaît, moi, c'est Théara, mon signe. Et pourquoi Théara? Parce qu'autrefois, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup aller au cinéma. Et quand on arrivait dans une salle de cinéma, il fallait choisir la porte. J'étais supposé aller dans une telle salle, puis sans le dire à mes amis, je trouvais ça plate, j'allais dans une autre salle. Donc, changer d'idée souvent. Donc, mes amis disaient, arrête de changer d'idée. Ça, c'est le signe de changer d'idée. C'est qu'ils ont promis, ils ont pris la première lettre de mon nom, puis ils ont fait, ils changent souvent d'idée. Mais ça fait longtemps, j'étais petit. J'ai encore ce signe-là. Donc, j'ai été baptisé, puis ça m'est collé. D'autres personnes, leur signe peut changer avec le temps. Ça dépend une foule de facteurs. En linguistique, il y a des règles qui font en sorte que, par exemple, si mon nom de famille, c'est Jacques, et mon nom de famille, c'est, par exemple, Perron. Donc, si on fait un grand J, la configuration n'est pas souple. Donc, les règles ne permettent pas ça, d'utiliser un mouvement en même temps que signer avec le petit doigt. Donc, il faut suivre des règles grammaticales qui sont propres à la LSQ. Par exemple, mettons si j'aime jouer. Donc, ça peut être intégré à jouer. Ça peut être son nom. Donc, il ne faut pas qu'il soit associé nécessairement à un autre. Mais il y a des règles propres à la langue des signes pour que ça reste fluide, ça se signe bien. Il faut que ça se signe bien, sans difficulté. Oui, d'autres questions? Alex, tu avais une question? Mais pour un exemple, pour moi, le nom signé, hein, comme Alex, c'était trop proche de Pomme. Donc, on l'a changé pour X, Alex, X, pour aller pour le sourire, pour le même effet. Oui, bien, ça aurait pu être aussi Alex comme ça. Tu sais, il y a une foule de façons de... Moins comme ça, effectivement, mais... Acide. Ça, c'est le signe d'acide. Donc, il ne faut pas associer ton nom à acide. Donc, le fait comme ça. Mais... Donc, vois-tu, Alex, c'est un signe, effectivement, qui se fait bien, qui correspond aux normes. Puis, des fois, il y a d'autres personnes aussi. Si on trouve un même signe qu'un autre sourd, bien, des fois, là, ça amène une confusion de qui on parle. Donc, ça prend un signe qui est original aussi, qui n'est pas associé à d'autres personnes. Puis, il y en a aussi, ils ont des fossettes. J'ai des amis, j'ai un ami sourd, qu'il y a des fossettes quand il sourit, fait que c'est ce qui le caractérise. Donc, c'est devenu son nom de signe. Ça va. Donc, c'est le fun. Ça a beaucoup de questions parce que c'est intéressant. Donc, si vous voyez une personne sourde, vous allez dire, si vous dites Théra, tout le monde, si vous faites comme mon professeur, tous les sourds de votre région, certains vont me connaître. Ils savent que c'est moi, parce qu'il y a un seul signe, puis ils savent que c'est moi. Puis aussi, ils pensaient que c'était associé parce que j'étais asiatique, mais ça n'a pas de rapport
asiatique, c'est, ça a rapport à ce que j'ai changé d'idée souvent quand j'étais jeune, puis ils m'ont attribué ce signe-là. Parce qu'autrefois, on associait beaucoup les personnes asiatiques, on allait tout de suite aux yeux. Aujourd'hui, c'est moins approprié de faire ça, d'utiliser un trait d'un groupe. Donc, on a tendance à utiliser le signe qu'eux font dans leur propre pays. Comme aussi des gens qui ont un implant, on l'appelait « Ah, celle qui a l'implant ». C'est devenu aussi inapproprié. Donc, au début, il y a d'autres caractéristiques autres que celles de la configuration. Quand c'est un signe qui est inapproprié, blessant ou qui peut avoir une implication pour un groupe, on essaye d'éviter ça. Donc, on peut poursuivre, si vous voulez. C'était des activités de pratique. Donc, peut-être, là, on peut aller au nombre, si vous voulez. 1, 2, 3. Oups. Donc, on va aller comme ça. 0, 1. Pas comme ça. C'est important que la paume soit face à la personne à qui on parle. 1, 2, 3. Pas 3, ça, c'est 6. On va apprendre plus tard que c'est 6. Il y a beaucoup qui font cette erreur-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, allons de reculons. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, je vais débuter, je vais recommencer avec un peu plus de vitesse. 5, 6, 7, 8, 9, 8. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Avez-vous mal aux mains? Avez-vous mal aux doigts? Au début, non. Vous êtes des experts. Ouf, excusez-moi. Donc, 11. Donc, vous voyez le mouvement. 11. 12. 13, c'est le chiffre 3 avec le mouvement. Puis la paume de la main est différente. 14, 15. Est-ce que c'est facile? Facile, non? Difficile? Difficile? Ben, il faut y aller à notre rythme graduellement, pas tout d'un coup comme ça. On peut recommencer. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 14. On peut voir 14 comme ça ou 14 comme ça. Il y a des accents de différents. 15. Vous êtes très bon. Vous êtes très bon.
Est-ce que vous me voyez bien? Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'étymologie? Avant, on enlevait la casquette pour saluer. Bonjour. Donc, l'origine du signe, c'est bonjour. Mon nom, nom. Un nom, votre nom, mon nom. Mon nom de famille, 2F, nom de famille. Qui ça? Qui? C'est qui? Puis vous voyez les questions, c'est dans les yeux. Parce que facile, c'est le même signe, mais l'expression est complètement différente. C'est qui ça? Qui? Vous voyez l'expression au niveau des yeux. C'est qui ça, son nom? C'est qui elle? C'est quoi son nom? C'est qui elle? Hey, regarde, c'est qui? Hey, c'est qui elle? C'est qui ça? C'est qui elle? C'est qui ça? Vous voyez l'expression du visage. Ah, ça va bien. Ça va bien? Ça va mal. Bien mal. Ça va très mal. Avec le visage qui l'accompagne. Plus ou moins, comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est quoi? Quoi? Parfois, ça dépend. Il y a trois façons. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as, ma chalet? C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux? Ou ça peut être, on mange. C'est quoi ça qu'on mange? C'est quoi? Vous voyez, le mouvement est un peu différent. C'est quoi son manche? Ou je travaille. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Toi, travail, c'est quoi? C'est quoi? Donc, l'expression va varier selon la question. Oui, ben oui, ben oui. Oui, ça peut être comme, as-tu fini de manger? Veux-tu manger? Veux-tu aller au restaurant? Oui. Si je veux aller en voyage, oui, les deux mains. Ah oh, oui, je vais y aller. Oui. Oui, 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 oui. 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 Oui, oui, oui. Oui. Selon l'intensité. Non. Non. C'est possible aux deux mains. Non. Non, ce n'est pas moi. Non. Juste non. Poliment. Non. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci. Merci. Je ne sais pas comment embrasser. Pas tout à fait, mais nuance. Merci. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Bonne journée. Ça suit le soleil. Voyez le soleil, journée. Où est-ce que le soleil va d'une place à l'autre? Bonne journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Le soleil est couché. Bonne soirée. À l'école. Enseigner. Directeur. Donc, c'est DD avec. Pourquoi qu'ils viennent de là, l'origine? Mon hypothèse, c'est qu'il y avait beaucoup de clés. Un directeur avait beaucoup de clés, donc il partait du nombre de clés qu'il y avait. Aider quelqu'un, aider. On voit la main qui aide l'autre, aider. Aide enseignant. Aide, enseignant. Élève. Donc, comme étudier, comme élève, qui regarde un livre, élève. Une classe. Donc, comme un groupe, une classe. Il y a deux sens aussi. Et ça peut être classe, comme école. Classe comme ça. Par exemple, des groupes d'animaux, des groupes de fruits, des groupes, des classes d'éléments.
Donc, à l'école, on utilise une classe ou une classe. On utilise les deux signes. Aller à la toilette. Exercice. Gymnastique. Ça peut être la lettre Y ou comme ça. Ça n'a pas de rapport avec le nom. Jouer. Jouer dehors. Un livre. Donc, quelque chose qui s'ouvre. Un livre. Un crayon. Des ciseaux. Couper les cheveux. Donc, on va rapprocher les ciseaux de la tête. Couper du papier, comme ça. Effacer. Manger. Boire. Dormir. Jouer. Peut-être il nous reste 5 minutes, on pourrait... je voulais vous parler, en Ontario, il y a plusieurs organismes. D'abord, le réseau pouvait avoir beaucoup de matériel en LSQ. Si vous voulez rencontrer des sourds, il y a l'Association des sourds francophones. Il y a l'école, le Centre Jules Léger, qui est la seule école francophone pour les sourds en Ontario. Il y a l'Association canadienne des sourds aussi, qui font plus pour la défense de droits. Aussi, qui offre des services d'interprétation, la SCO, qui offre des services d'interprétation, des services téléphoniques. Et si vous êtes intéressé à apprendre la LSQ, c'est des sites gratuits. Les derniers, ils sont, je l'ai indiqué, ils sont payants. Mais il y a d'autres, c'est des réseaux gratuits. Donc, c'est important aussi de compléter pour nous aider à nous améliorer. Si vous voulez des notes, des éléments à nous indiquer, ça peut nous aider pour les prochaines formations. Donc, parce qu'on pourrait donner d'autres ateliers. Donc, puis aussi, si vous avez, j'ai mon courriel aussi, si vous avez des questions de toutes sortes d'ordre, n'hésitez pas à me contacter. Bien, je veux vous remercier de votre participation. Merci d'avoir participé. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous aujourd'hui. Puis peut-être, s'il reste du temps, je pourrais répondre à vos questions, si vous avez des questions. Oui, j'ai 3 questions. Les émotions, donc fâchée, ça. Puis les 2 autres signes, soif et faim. Avoir soif. Je sais qu'en ASL, c'est ça. Pour soif. Fâché, ça peut être doucement. Un peu fâché. Enragé complètement. Donc, à 2 mains. Très fâché. Fâché. Un signe, un mouvement, c'est-à-dire 1 main. 2 mains, c'est une intensité. Plus fâché encore. Soif. Soif. Très soif. Soif. Puis on y va, on signe lentement. Très soif. On y va plus lentement. Mettons, neutre, avoir soif. Puis le dernier, c'était arrête. Arrête et puis ranger, comme demander avoir très faim. Comme demander, parce que moi, je travaille en maternelle jardin. Donc, arrête, OK. Puis ranger les jouets. Jouets.
Arrête. Puis ranger, j'ai pas. Pouvez-vous refaire ranger, s'il vous plaît? Ça dépend quoi, puis ça dépend où les ranger. Ça peut être dans des compartiments séparés, ça peut être dans une armoire. Là, on fait armoire, s'il vous plaît. Ouvre l'armoire, rangez les jouets. Ça dépend où les ranger. Ça dépend de l'endroit. Le signe va correspondre à l'endroit. Donc, si vous dites ranger dans les tonneuses, mais si vous avez sous une boîte, dans une armoire, sur des tablettes, bien, vous faites le signe ranger qui correspond à l'espace dédié pour les jouets dans votre classe. Ça peut être dans un tiroir, vous l'ouvrez, vous mettez les jouets, vous fermez le tiroir. Donc, c'est merci. Propre au lieu. Ça va? Bien, merci. Je pense que je vais laisser Louis dire le mot de la fin. Alors, ben merci. Est-ce que, Tara, tu peux mettre le lien pour le formulaire de rétro dans la boîte de clavardage pour que les gens puissent le remplir tout de suite? Et oui, pendant que Tara fait ça, moi, je vous remercie, chers participants, d'avoir assisté à cette formation aujourd'hui et surtout participé. Moi, j'ai appris plein de choses, plein de mots, plein de les lettres, compter, 1, 2, 3, etc. Alors, c'était excellent. Si vous avez des besoins particuliers ou vous aimeriez avoir une suite à cette formation, s'il vous plaît, nous le dire, parce qu'on est en train de planifier tranquillement les instituts d'automne et d'hiver. Et puis, je tiens à vous mentionner que toute la programmation du Centre des instituts est disponible sur le site Internet et il n'est pas trop tard pour s'inscrire aux prochaines formations ateliers. Et puis, voilà, donc merci Tara, merci pour la formation Tara, c'était fabuleux. Et puis, voilà, je répète, j'ai appris plein de choses. Et puis, je vais vous souhaiter à toi. Puis, merci Paul aussi. Je me souviens jamais du verbe, là, mais pas la traduction, mais l'interprétation. L'interprétation, hein, oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Et puis, voilà. Tara veut dire, j'espère que mon atelier a été profitable, puis vous a initié à vous donner le goût de prendre davantage la RSQ. Dans le fond, c'est aussi... Quand on apprend les signes, on apprend une nouvelle communauté, une nouvelle culture. Puis aussi, de mal signer, ce n'est pas grave. L'important, c'est de communiquer et de... Donc, pas vous juger, « Oh non, moi, je ne signe pas, je signe trop mal. » Non, de se lancer, et c'est même qu'on va faire l'apprentissage. Puis j'espère aussi que vous allez retourner au travail à l'automne plein d'énergie. Puis qu'on va... Vous allez faire profiter vos étudiants de votre savoir. Donc, à une prochaine rencontre. Bravo à vous. Oui, n'oubliez pas, juste avant la question, n'oubliez pas de remplir le formulaire de rétro, s'il vous plaît, c'est très important. Oui, la question?